depuis une semaine, nous constatons que vraiment le MMM péconne une deuxième naissance, comme moi tu souhaitais dans mon discours de dimanche dernier. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qui nous bat militantes et nous bat militants et que la population est capable de faire nous. Et sans déclarer faire à personne, mais nous convaincus qu'il nous pèle vers la victoire dans les prochaines élections générales. Finalement, a beaucoup remis ménage autour de l'élection générale, pas élection générale, dissolution parlement pendant la semaine écoulée. L'éclair qui MSM fait tirer sur une dernière cartouche, et tout ça qui restait peut tirer même, peut essayer même. Et la pipa peut flop dans cette figure même. Donc, comme par miracle, remuneration orders fleurit par tous côtés. Et livré même, jamais moi tu connais un gouvernement capable de parler d'un conseil des ministres. Un conseil des ministres qui voulait qu'il y ait une population pour aller au sérieux. Hier, dans le communiqué du conseil des ministres, ce qui m'a lié, cabinet has agreed to some 20 new remuneration regulations. Même pas foutu de nous un chiffre exact. Moi, tout ça donne une décence, un amateuriste, donne une décence pour montrer qu'il peut ramasser tout ce qu'il y a là. Cabinet has agreed to some 20 new remuneration regulations. Même pas un chiffre précis. Alors, on a pu tirer les derniers cartouches, puis renvoyer toute considération d'augmentation l'essence diesel hier. Et la question posée, est-ce qu'il vrai même pour un parlement mardi? Je t'y mets, ça aussi il y a un décent, hein, la loi aussi importante que le Children's Bill, maintenant en second, après une la loi côté la santé. Et la question posée, si pas tout ça, là, c'est encore une fois un trick, un manque de respect à un sujet aussi important. Mais on a doute, si pas, pour un parlement mardi. Et si pas, pour venir de l'avant avec le Children's Bill avant la dissolution du parlement. En tout cas, tout ça, bien malsain. Pas gagner droit de traiter un pays de sa façon-là. C'est un manque de respect au pays, c'est un manque de respect à l'électorat. Pas du monde qui connaît le sens de l'État, qui connaît l'importance d'une élection générale dans le destin d'un pays, pas traiter un pays comment MSM peut traiter ce pays-là, ces eaux-là. Et c'est une raison additionnelle qui nous demande la population, l'électorat, condamne le gouvernement sortant.